On rentre. Il s'écarte de vous. Vous rentrez. Je me dirige vers une console. Non. Non. Il y a effectivement des consoles. Mais il y a une nana qui est la responsable d'Espace Bord. Il n'y a pas que des droïdes. Sortons vers vous, que voulez-vous? On vient d'être appelé pour une maintenance. Vérification. Non, non. Il n'y a rien qui est problème ici que, qui vous a envoyé. C'est plus la maintenance, là. Ça se passe. Le lieutenant Erkin, là, qui nous avait. Vu l'hésitation, tu vas me faire un jet de tromperie avec deux dés noirs. Et avec deux difficultés. Deux dés noirs, deux difficultés, putain. Voilà, allez, c'est bon. Un, deux, trois. Trois désavantages. Un, deux, trois, succès. Quatre succès. Alors, j'ai des succès, mais j'ai infortunes. Menaces. T'as des menaces ? Ouais. J'ai trois succès et deux menaces. Très bien, bah, allez-y. Donc, tu vois qu'elle va avoir une autre console, elle va sans doute demander une confirmation. Quelle note vite. Je vais vers elle. J'essaie discrètement d'aller vers elle. Je la suis, mais. Ah, bah, elle va pas très loin. Elle non, mais je vais. Je vais discrètement. Vraiment discrètement derrière elle. Difficulté ? Alors, tu vois. Ah. Deux choses. On va faire un. Alors, on va déjà me faire un jet de discrétion qu'elle s'aperçoit pas que c'est derrière elle. Là, c'est pas simple, hein, quand même. Hein. Je veux une difficulté de 3 quand même. Ouais. Ah ouais ? Ah, bah oui, t'as eu quand même des menaces, donc elle se méfie quand même de 3. Si elle se méfie pas, elle appellerait pas pour avoir une confirmation. Une discrétion. Ah. Pour lui, le 3 ou pour moi? Pour lui. Ah bon. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 succès. Deux succès, un avantage. T'es dans son dos, elle est en train de tapoter pour avoir un contact avec... Tu fais quoi? Je la somme. Attends. Ok, alors. C'est toujours. Alors, assommer, je sais pas si ça. Non, mais c'est toujours le même bordel dans les jeux. Assommer, ouais. C'est toujours une merde infernale. J'ai jamais vu un jeu où ça marchait. Ouais. Donc. Non. Si, pour le faire, ça va être très clair. Mais ce sera peut-être pas forcément la règle que j'appliquerai à chaque fois. Tu vas me faire un jet de. Pugila, avec deux de difficulté, et si tu fais un succès, tu l'as sauvé. Non, avec un seul de difficulté d'arriver dans ton dos, tu l'as réussi. Ah. C'est bon. Ok, t'arrives. Bam. Et un avantage. Ouais, bon, une difficulté, sérieux. Toi, tu tapotes, tu as très rapidement, t'arrives en fait sur une caméra qui te met la visio, et tu es en train de les voir en train, il y a des coups de blaster dans tous les sens, machin, etc. Lui, tu le vois au moment où il se fait toucher par un coup de blaster et repousser, machin. Est-ce que je peux débloquer les entraves? Eh ben, t'es là pour ça. Oui. Est-ce qu'il y aurait des toiles de défense? Ah, vous êtes dur, mort dans le cas. Il est KO, il est demi-mort. Ça va être bien. Par contre, tu peux brancher d'autres caméras éventuellement pour voir ce qui se passe autour. Ouais. Moi, j'arrive à rien avec mes dés. Et là, j'ai déjà essayé d'enlever les entraves. T'as combien en tir? Bah, j'ai quand même pas mal, j'ai 3. Donc, là, je jette. 3 et 2. Je jette ça. Bon, allez, ok. Tu commences à faire tes sur le truc. Tu jettes ça. C'est une difficulté moyenne. Si tu veux aller vite, tu me rajoutes un des noirs. Si tu veux aller lentement, tu me rajoutes un des deux. Si tu veux aller une version normale, je ne rajoute pas du tout. Choisis. Et lentement. Je veux un succès. Je vais faire lentement. Donc un des deux. Donc, ils sont en train de se battre de toute façon. Alors, je fais deux réussites
un triomphe. Un triomphe. Bon, le triomphe, ça ne va pas servir à grand-chose. Voilà. Et pas de... Alors, si. J'ai pas compris. Alors, si. Si. Bon, enfin, machin, tu vois les trucs d'entrave, en fait, qui passent au vert. Ouais. Hein, plam, 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 des trucs de... Des, comment dire, des fois, je trouve pas mes mots, ça m'énerve. Des trucs d'un vaisseau au sol, ça s'appelle comment qui se pose au sol des... Les pods. Non, enfin bon, bref. Tu vois les machins qui passent au vert. Ton triomphe fait que, en même temps, t'as activé certaines caméras extérieures et tu vois un bataillon de Stormtroopers qui arrive avec des blasters sur tes pieds. Ouais. Véreux. Bon. Mais bon. C'est vraiment véreux. Est-ce que, alors, les à vous. Juste un truc. Comme, à vous. Ok. Bah, le feu, toi, t'es là, tu vois, ils sont encore assez loin, mais tu vois que c'est un blaster lourd qui sont en train de charger. Là. Mais nous, on les voit. On les voit pas, nous. Ah, ils sont pas là. Ils sont pas là. Vous avez qu'un seul droïde de... Ouais, je tire ça, toi, tu tires sur le droïde. Bah, déjà. Toi, t'es le chef. Ouais, je suis le chef. Bah, je suis en deuxième, mais j'attends d'abord. Je suis en deuxième. Non, mais c'est vrai. Toi, tu me fais un jet de vigilance avec un dé noir, et toi, tu me fais un jet de vigilance normal. Vigilance et volonté. Volonté. Cherche-moi avoir une image de 32e, s'il te plaît. 32e. Vigilance, comme ça. Non, mais pas sur Internet. Les deux dés noirs. Tu m'as dit, hein? Non, un. Un des noirs. Pas de violet, là, toi, le guide? Non, non. C'est un joueur... Pas de violet? Non. Et pourquoi pas de violet? Si. Un seul? Deux. Deux. Oui, je l'ai. Ok. Je cherche quoi? Oh, putain, c'est pas vrai. Alors, échec... Non, je vois rien. Rien. Bon, le droïde fout tout dans le plafond, encore une fois. Non, c'était la vigilance, c'est pas mentir, c'était la vigilance. Toi, t'as raté, ok. Toi, t'as réussi. Ah, oh, bah oui, j'ai fait. Donc, toi, t'es en train, toi, t'es concentré effectivement sur le droïde qui arrive en face, prêt à le fumer. 32e. Moi, j'ai réussi. Oui, parce que tu te retournes et tu vois le 32e qui est en train de. qui a un fusil blaster qui est sur la rampe de chargement du. De l'Y. Comment ça s'appelle? Un YT-1300, si je me trompe. Oui, c'est ça. Pas. Allez, on s'en fout. Je tire sur le droïde. Ah oui, tu veux. Allez, deux avec deux dés. Violet toujours. Bah, comme d'habitude. Comme d'hab. Alors. Mais si, j'ai un triomphe. J'ai un triomphe plus une réussite. Voilà. Ça fait deux réussites. C'est ça, pour le dire. C'est ça. C'est celui qui. C'est l'esclavagiste qui descend, ouais. Que tu viens de voir. C'est. Comment il s'appelle? C'est pas lui, le. Chasseur de primes, là. Boss. Ah bah, visiblement, c'est à lui le cargo, en tout cas. Il est en train de faire la fête avec un quelqu'un. J'avais oublié qu'il devait être là, lui. C'est vrai, c'est con. Donc j'ai un triomphe. Hein, donc c'est un critique. Voilà. Tu fais combien de dégâts? J'en fais beaucoup. Combien? 9 au total. 7 plus 2. 9? Ouais. C'est pas mal. Avec le critique. Lance-moi le critique. 28. Un mot que tu peux faire comme ça. Je m'en fous. Quoi, 28? Bosque. C'est pas ça. 28 pour critique. Ah, d'accord. Enfin, je fais pas 28 points de dégâts. Ah oui, c'est seulement. Ok. Tu te rends compte. Poum, poum, poum. Et là, effectivement, le droïde qui arrivait en courant vers toi vient d'exploser en pièces détachées. Ok. Qui rebondit sur le. Sur le sol, en fait, de la plateforme de décollage. Mmh. Et toi, t'es en face de T-Rex. Eh ben, tu rajoutes un petit dé rouge. Non, mais déjà... Oh, putain. Déjà, l'initiative. Le 32e. On peut le faire sur la vigilance. Non, calme. Je sais, c'est chiant, je sais comme ça. Oui, une réussite. Et un avantage. Ouais. J'ai 0 succès et 2 avantages. Moi, j'ai 1 succès et 1 avantage. C'est plus rapide que lui.
Bravo, allez. Tu me mets un rouge, tu donnes un point. Non, je ne mets pas un rouge. Ouais, pardon. Il n'y a pas un... Ben non, tu t'améliores ton jet ou tu le pénalises? Non, je le pénalise. D'accord, donc en fait tu tires. Ah oui, ouais. Je le pénalise quand même. Il y a quatre trucs. Hein. Ah, tu as peut-être le tuer. Tu as besoin de mettre le rouge. Je mets ton réaction aussi. Ça va chier. Un succès. Quand même. Bah tu touches. 7 points de dégâts. Ok, riposte. Tu me retournes un truc? Il y a un rouge. Ah, tu lui as mis un rouge. Ok. Il riposte, il trate. Mais par contre, il se met à l'abri dans son vaisseau. Donc, vous avez un dé noir pour lui tirer dessus. Nouveau rouge ? Ah, bah oui, c'est un nouveau rouge. Vous faites quoi, vous, dans le reste de support ? Moi, est-ce que, par exemple, il y a des trucs qu'on peut monter pour fermer les portes du spatioport ou des... Seulement les trucs extérieurs. Oui, mais pour empêcher qu'on rentre à l'intérieur du spatioport. Mais vous y rentrerez pas non plus. Non, on ira vous chercher. Bah oui, vous êtes à l'extérieur. Ah, on est à l'extérieur, non. Bah, on sait qu'on pouvait être à l'intérieur du spatioport. Vous êtes à l'intérieur du spatioport qui est pas au même endroit que la... La barbe, c'est le truc. Non, que le truc de décollage. Ce que je veux dire, c'est que là, comme je vois les stands qui vont vers le truc de décollage. Est-ce que je peux pas leur bloquer leur... Oui, mais ça vous bloque pas l'accès aussi. Voilà. De toute façon, là ils sont là-bas sous nous. Ça arrive vraiment nous. Ça dépend. On va... Ah, je t'enfonce, alors. Ok, vous sortez, vous foncez. Ouais. Donc, nouveau round. Dans l'initiative, faut que j'en fasse une pour savoir à quel. Bah, fais l'initiative. J'avais dit qu'il avait 0 et 2 avantages. Ok. 1. Ah, pareil, 1. Un avantage. Bah, vous êtes plus rapide que lui. Par contre, lui, il a une défense parce qu'il s'est mis à l'abri derrière le. Ouais. Eh ben vas-y. Okay. Allez, je mets aussi à l'abri derrière notre speeder, parce qu'il en reste, dis-moi. Je tire. C'est bon, d'accord, une manœuvre pour me déplacer. Ouais. Je tire. Allez, go. Allez, ça marche. J'ai un dé noir. Donc t'as un dé noir. J'en ai combien des points noirs là ? 3. 3. Je t'implique un jet à dé rouge. Un dé rouge. À la place du dé violet. T'as vu, il y en a 4. J'en prends un. Vous en pensez, les gars ? C'est très très fort. Un, j'en prends un. Allez. Un, je peux pas, j'ai que des jaunes. Ok, très bien. C'est parti. J'ouvre le feu. Bien. 4. J'ai pas d'annulation. Donc 4 plus 2 avantages. C'est un critique. Bah, j'attends les résultats. Alors, le résultat, donc ça fait forcément 4 plus combien déjà ? Plus 7. Plus 7. Oh la vache, 11 de dégâts plus le critique. C'est parti. Ouf. 11 de dégâts. Plus le critique, je sais pas où mon deuxième descend. Voyez là. Ce sera. Non. 96. Ouais. Je vais lui arracher la tête. Tu veux arracher un bras. Normalement, ouais. Un bras, une jambe. Ça te fait. Ok, ton tir de blaster vient de le toucher à la jambe, il s'écroule, mais il est encore, en tout cas. Ouais, bah, je lui tire dessus. Là, tu lui mettras à des rouges. Si je lui mets à des rouges, c'est quand il tire. Attention. Pour l'instant, toi, ouais. Donne-moi un dé supplémentaire. Non, c'est pas un dé supplémentaire, tu transformes un dé. Oui, je transforme un dé. Allez. Arrêtez de filer des trucs, putain! Mais lourd de déplaire! Pour l'instant, tout va bien? Ouais, c'est bon. Zéro. Je fais juste deux avant. Hein. Non, bah, tout, je pense. Ah, tu le rates. Merde. Bon. Il riposte! Ah, tu as touché la jambe, donc mais pour l'instant, ça n'entrave pas. Donc là, il va falloir arrêter les conneries quand même. Grenade. Rétrécissante. Tétonissante. Il t'attaque quoi ?
Bon. Moi qui suis aussi à l'intérieur, je vais pas me protéger quand même. Ah ouais. Non. Tu te rapproches pas comme il est. Lui, il m'a dit qu'il se protégeait derrière. Moi, je suis à la place du pilote, il y a quand même un peu. Ça marche correct. Il tire sur le droïde, de toute façon. Ah, je suis derrière le. Oui, il a un des noirs en plus, okay. Exact. Alors, t'as des choses, hein. Je suis ça. Ça fera ça. Tu fais mon esquive, hein. Oui, mais oui, bah, point de stress. Il touche quand même. Ouais. Tu prends 8 points de dégâts. 8 moins 6, 2. Eh ben, nouveau round. Vas-y, allez, je tire. Je tire. Toujours pareil, hein. Les deux dés noirs. Il a la réussite. Non, un dé noir. T'avais utilisé un noir tout à l'heure, là. Non. Ok. T'en utilises un. Il y en a combien ? 4. Ah oui, donc tu me transformes un des violets en des rouges. Un des violets en des rouges. Oh, attends. Bon, je suis peut-être pas. Il t'en donnait beaucoup de possibilités. Ça, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a 1, 2, 3, 3 succès annulés par 1. J'en ai 2, 2 succès. Là. Et plus 2 avantages. 2 succès. 2 succès, 2 avantages. Ouais, bien. 2 succès, 2 avantages. Bah, deux succès, déjà tu fais les dégâts. 9. Deux avantages, tu vois. En fait, il ne va pas pouvoir riposter. Mmh. Il est en train de reculer. Forcément à des noirs. Enfin, à côté de force noire. Il vient de taper sur un truc, tu commences à avoir la rampe d'accès qui commence à se refermer. Oui, mais ben, t'auras un dé noir parce que la rampe d'accès bah, oui. Se ferme. Ouais. Je vous rajoute un dé noir. Hein. J'ai combien, il me reste combien là? Bon, je garde. Alors, j'ai fait un triomphe. Donc, tu pourras et un succès. Donc, ça fait deux Donc, succès. Deux succès et un triomphe. Donc, ça fait un critique. Ouais. Donc, tu peux me lancer une critique à plus 10 parce que là, j'ai pris un. Allez, celui de la pierre sur quoi? Ah, c'est sur le mec? 106. Ah oui. T'es bien. 96. Blessure épouvantable. Lancez un D10 pour désigner une des caractéristiques de la cible. Et tu fais combien de dégâts? Ça fait 2 et 8. Ok, le blaster vient de le repousser à l'arrière, mais la... Vous, à ce moment-là, vous arrivez, le passé au port n'était pas très loin. Par contre, vous voyez effectivement un véhicule impérial qui arrive, les stormtroopers que vous avez vus. Ils sont pas très loin. En fait, vous avez juste le temps de vous enfiler dans le passage qui met au point de décollage. Alors, vous les voyez au loin. Il y en a, vous voyez le speeder qui est à moitié en vrac, avec toujours le qui est un peu par terre, ouais. Etc. Ouais. Et vous voyez lui qui est au sol aussi. Oh putain. Le droïde, des morceaux de droïde éparpillés au machin. Et la rampe d'accès qui est en train de se faire refermer, elle est déjà à mettre. Tout le monde, vous faites quoi là? Je fonce vers la rampe d'accès. Ok. Moi je suis trop loin pour la rampe d'accès. Bah, il faut foncer dans le. On fonce, hein. Bah oui, je peux faire que ça de toute façon. Hein. Les stormtroopers, ils sont arrêtés pour tirer ou... Non, ils ne sont pas arrivés, ils vont arriver. Ok, donc pour l'instant, on couvre jusqu'au truc. Là, tu fais quoi? Ah bah moi, je fonce. Ok, vous voyez vos deux camarades qui n'ont rien à foutre de l'hyperdrive, qui n'ont rien à foutre de lui. L'urgence, c'est de... Si la porte se referme, c'est fini, les gars. Mais le but du jeu, c'est de les empêcher. Ouais. Peu importe, c'est tout. Moi, je suis pragmatique, hein, j'annonce. Ouais, c'est ça. Ok, fais-toi un jet de. Un truc d'agilité ou de coordination ou de rapidité, je ne sais pas bien exactement. Qu'est-ce qu'on pourra avoir là-dessus? Agilité, coordination? Pas. Oui. Non! On va faire comme l'initiative. Je pense que vous allez me faire un jet de calme. Un jet de calme, d'accord. Donc de présence. Allez.
Alors sans froid. Sans froid. C'est une compétence. Oui. Ouais. Donc volonté alors. C'est pareil. Ouais, ça. Bon, un succès. Un succès. Un succès, pas de. Trois avantages. Oh. Ok. Parfait. Donc toi t'arrives, t'attrapes la. Ouais, c'est mon pire. Toi aussi, bah c'est pareil. T'arrives au-dessus. Bénébélé, vous courez vers le. Moi je. Attends, il y a la pièce à prendre. Il y a les. La pièce elle est par terre, il y a lui qui est par terre. Moi je retourne le chercher une fois. Personnellement, je pense qu'on est derrière. Bah oui, vous êtes derrière vous. Moi je m'arrête à la pièce, tu. Vous arrivez à la pièce, vous voyez les troopers impériaux qui culent, il y en a deux qui commencent à courir avec vous, les autres déchargent du matériel. J'ai une grenade étourdissante. Ça fait quoi ça? Ça étourdit. Ça fait souffle vite. Merci. Souffle vite. Alors, c'est bien ça. C'est voilà. Désorienté 3, dégâts étourdissants. Je l'ai, grenade étourdissante. Voilà. En gros, ça va les sonner quoi. Hein, c'est juste de leur faire. Du... Bah, tu fais un DGR, un truc de lancer à distance légère. J'aimerais c'est que... corps à corps. Non, c'est arme à distance légère. Compétence, je l'ai dans les yeux. Ok. Arme légère, ok. Donc en fait, elle va rebondir contre le truc, elle tombe devant. Non, c'est, tu vas voir. C'est là qu'on annonce sa merde. Alors, ça va? Oui, peut-être. Et maintenant, t'as quand même des délais. Je veux quand même deux difficultés, hein. Oui. Allez. Pour le fun. Allez, tu prends un point noir et tu rajoutes un dé rouge. Et moi, je vais prendre aussi. On va se tourner chacun. Donc, moi, je transforme un dé vert en dé jaune. Et je de quel côté sera la force? Allez. On y croit. C'est pas mal, non? Ah non. Non, c'est pas mal. En fait, c'est pas de choix. J'ai juste. T'as du succès? J'ai aucun succès. D'accord, t'as des avantages, des désavantages? J'ai deux avantages. Deux avantages. Ok, la grenade, t'arrives pas à lancer assez loin, elle entre toi et eux, elle explose au milieu, sauf que ça dégage un. Normalement, c'est du. Oui, mais pas parce que t'as pas de succès. Okay. Donc, tu me dis, t'as quand même deux avantages. Ça va pas les affecter du coup. Ça fait un nuage, mais tu peux avoir un nuage. Quelque chose de ce style-là. Ok, il commence à avoir un gros nuage. Parti. Comme ça a tapé dans des caisses. Non, mais tu l'as vu. En tout cas, tu dois tirer son coupeur, donc il ne voit plus. Mais voilà. Pour moi, pendant ce temps-là. Alors, pas pendant ce temps-là. Tu mets en agilité. En agilité, j'ai deux. Ça, c'était ton rejoint. C'est bien comme moi. Toi, tu es à la hauteur de la pièce hyper. Je la prends dans les bras. Et c'est lourd, hein. J'ai deux de vigueur. Oui, non mais je voudrais simplement. Alors, deux de vigueur. Vas-y, dis-moi ce que je veux. J'essaye à quoi. Ah oui, tu importe. Tu vas me faire un jet de coordination avec deux de vigueur. Donc, deux de difficulté. Par contre, tu prends quand même un dé noir parce que c'est lourd. Un jet de coordination. Ah, attends, oui. Je vous annonce ce que vous me faites. Toi, tu t'es accroché au truc. Ok. T'essaies de monter à l'intérieur. Sinon, ça sert à rien. Comme il a réussi avant moi, je redescends pour aller chercher. Ok, donc finalement, tu lâches le truc. Ouais. Toi, t'arrives. Donc, tu rentres à l'intérieur. Qu'est-ce que je vois? Le Gugus? Non, le Gugus est HS par terre. Ah bah, tu n'as plus de machin pour. Non! Parce que je parle avec le vaisseau. Je parle avec le vaisseau. Enculé, putain. D'accord. Fuck you, motherfucker. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dans la tourelle du bas actionner l'artillerie. Mais ouvre la porte, putain. Oh, tu appuies sur le bouton. Ouais, je me cours, je fais ça et j'y vais. J'appuie sur le bouton et puis je fonce sur le. J'ai l'action, manœuvre. En tant que pilote, tu vas d'abord il va quand même falloir démarrer tous les trucs. Oh. Ouais. Bon, alors j'ouvre le. Voilà. La porte et je fonce au poste de pilotage. D'accord. Ouais. Non, mais t'as le choix. Oui. Voilà. Toi, t'as attrapé la pièce. Toi, tu as descendu. Moi, je m'occupe de lui. Donc, nouveau rôle. Les sandtroopers ne pourront pas agir sur Roncy à cause, effectivement, du nuage de fumée qui se répand dans tout la baie de décollage. Toi. Trois succès.
T'attrapes le truc. Oh, dans le petit doigt. Non. Non, là, là. Non. Tu portes le truc, machin, etc. Tu montes, t'es là, t'es sur la... T'es sur la... La rampe d'accès. Tu commences à monter là-dessus. Toi, tu fais quoi? Tu vas le chercher. Tu t'occupes de lui, c'est ça? Non, non, t'en sais rien. Là, tu fais quoi? Non, mais je vais déjà vers lui, alors. Ok, tu vas vers lui. Tu l'attrapes dans les bras. Ok. Toi, tu fonces vers le poste depuis que le pilotage, effectivement. Toi, tu fais quoi? Je monte, s'il y a rien à faire. Toi, tu grimpes. Ok. Nouveau rôle. La fumée commence à se dissiper. Vous voyez les cendres pour corps qui arrivent. Faites-moi tous un jet d'initiative. Celui qui les deux qui me font sauf toi. Donc toi et toi, vous deux, vous avez un dé noir en plus. C'est ce que vous êtes en train de porter des choses. Celui qui me fait le moins de succès sera encore sur la rampe quand ils pourront ouvrir le feu. C'est toujours calme alors. C'est calme. Là, c'est calme, ouais, c'est pas vigilant, ça, c'est calme, là. C'est pas vigilant. Un succès et un avantage. Non, on prend que les succès. D'accord. Enfin, les avantages se prennent en cas d'égalité. Ouais, ok. Un succès. Un succès. Un succès. Combien d'avantages? Un succès et un avantage. Vous avez pris des dés noirs, hein. Oui, oui. Donc, un succès et un avantage. Non. Un succès et un avantage. T'es le premier, tu le portes, t'arrives en haut de la ronde. Un succès, toi. Un succès. Et un avantage. Donc toi, tu montes, toi, t'es le dernier. Enfin, c'est logique, en fait, t'es en train de porter la pièce. Oh, là, mais y a pas de soucis. Hein. Les... Non, y a pas de soucis, les cendres vont partir à l'une. Il va faire tomber la pièce, puis après la pièce... Oublie les cendres. Il te reste deux trucs noirs. Je te le dis. Ah, je vais pas les trucs. Les trucs rouges. Il est respectueux. Il t'allume en tout cas. Je vais m'enfler, hein. Deux succès, c'est tout. Ok. Mais le coup de blaster te met quand même 11 points de dégâts. Oh, 11 moins, 11 moins, 3, 8. Tu me fais un test de changelin ou quoi? Ah, voilà. Ok. Je crois qu'il faut faire un test hein, pour voir si tu. Ouais, a priori, sinon, a priori. Bon, tu te retransformes en lézard vert. Mon dieu, mais quelle horreur! Ah, quelle horreur! Ok, en tout cas, le tir de blaster, tu l'as bien pris. C'était lui. Et là, ils l'ont cherché. Ils sont surpris. Attends, ils vont vraiment au fichier s'ils l'ont cherché. Non, non, tu les regardes derrière, surtout qu'il y en a qui sont... Par contre, t'as plusieurs Stormtroopers qui sont en train de monter, en fait, sur trépied. Un blaster lourd, ouais. Et là, par contre, sur le vaisseau, ça va faire des gros trous. Hein. Putain. La rampe, et tout le monde est sur la rampe. Non, on est monté. Mais... Ça y est, la rampe, elle est fermée. Ok. Non, la rampe est presque fermée. Elle se ferme. Mais elle va se fermer. Toi, tu vas me faire un jet de pilotage pour initialiser tout le système qui est complètement éteint à cette heure-ci. Tu vas me faire un jet difficile. 3 difficultés. Et on croit en toi. Ah, non, par contre, oui. Non, 2 difficultés. Mais 2 dés noirs. 2 difficultés, 2 dés noirs. J'utilise un blanc. J'utilise un champ pour changer un. Non, non, non. J'utilise un point parce que j'ai dit parce que c'est ma prérogative de MJ. Non, parce qu'il doit agir vite, quoi. Ah oui, non. Mais voilà. Et un point de stress, tu prends dans la gueule. Parce que je suis méchant. Et puis parce que ça commence à chauffer dur. Ah. Alors, 2 succès, un avantage. Pourquoi je t'ai mis un deuxième succès? Parce qu'en fait, la plupart des commandes sont en troposien que tu ne connais pas. Ouais, mais je me dis que quand même... Tu te dis peut-être, donc t'as pris les deux dés noirs. J'ai 2 succès, un avantage. Eh ben, c'est bon, t'arrives, ping, 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 tu commences à voir le tableau de bord qui s'illumine, les moteurs qui commencent en train de chauffer. Mais tu l'entends, tu dois mettre des scotch. Ah, c'est facile, post-it. Tu me refais le même jet. Oui, je veux un succès.
Si tu me fais un succès, vous arrivez effectivement à décoller, sinon ils ont le temps de vous, de vous allumer. Je te reprends un poil lumineux. T'en as 4. Bon, c'est réussi. Un succès ? Ok, un succès. Le croc de Kate fait une embardée, et puis. Et moi, le mot à vol, bâtard. Vous allez faire un petit jet de coordination. Et vous aussi ? Difficile, oui. Toi, tu vas. Ouais, toi, tu le retiens ? Oui, je l'ai dans mes bras. Tu rajoutes un petit dé noir. Ah, coordination difficile. Difficile, 3D. Voilà, vache. 3D, tout ça, dé noir. Toi, t'as un dé noir parce que tu le portes. D'accord. Ah, il compte, quoi. Ouais, c'est bon, ça. Oh, bah, d'accord. J'ai rien. Alors, là, j'ai rien du tout. Ça s'annule. Ça, c'est annulé. 1, 2, 3, ça. Voilà. Ok. 3 succès. C'est raté, toi ? Ouais. 3 succès, 2 avantages. 0. 3 succès, 2 avantages. Donc, et en même temps, je le chope. Si j'arrive à un des deux. Ok. Donc, toi, 0. Toi, tu valses. Toi, tu vois que le droïde vient de le lâcher. T'as les succès, toi ? Non, j'ai rien du tout. Rien du tout. Donc, toi, tu valses. Tu le lâches, en tout cas. Toi, t'es au poste de pilotage. On t'a déjà dit de voler léger. Ouais, ça sera. Le pied léger. Ok. Toi, tu te cognes dans un coin, tu te prends deux blessures. Toi, t'as des succès. Tu vois que le droïde l'a lâché. T'arrives à le choper, le retirer. Toi, par contre, tu. Là, tu valses à travers le cargo, tu vas t'écraser sur une paroi de côté, tu prends 4 points de dégâts. Est-ce que mon encaissement compte ou pas ? Non. Non. Ah, donc tout net alors là. Ouais, la net. Ok, oh la vache. Bam ! Tu vois ta fille qui s'éloigne derrière. Putain. Mais tu sais pas où tu vas. Et stabilise tout ça et vite. Il faut mettre le. Donc tu fonces, tu sors de. Tu commences à voir en fait d'armes de proximité qui. Une fois que tu quittes l'atmosphère, il y a des armes de proximité qui clignotent. Ah, je regarde, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 4 sortants. Oh putain. Bon allez, toi tu répares pendant que je mets en route les réactions de sortir. Oui, c'est sûr. Donc il y a 4 bras. Faites-moi un peu de place pour enlever-moi les clémentines de merde. C'est bon, il vient de valser dans le but. Oh, allez. Franchement, j'adore. Donc, il y a 4 tailles qui arrivent derrière nous. On va le mettre dans le bon sens. J'ai cru pendant des années quand j'étais bon qu'il volait dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi. Faites-nous les bruits d'un taille. Ouais. Non, c'est pas ça. De quoi ? Non, pas de. Bon. En attendant, effectivement, que faites-vous ? Parce que là, il y a plusieurs postes possibles. Il y a le contrôle des dégâts, il y a le canon. Il y a l'artillerie, allez dans les postes de tir. Il y a deux. Il y a deux. Ah oui, je sais pas faire. On porte à deux déjà et. Il m'amène le truc jusqu'à l'endroit et va au canon. Pendant que je le bricole. Donc en fait, les tailles s'approchent de vous, ils sont plus rapides que le. Que le cargo avait entendu. Moi je fonce. Allez. Quand on y répare, je me mets un des postes. Ah oui, c'est ça. Bien. La force est. Est puissante dans ta famille. Est puissante. Ok, bah tu vas me faire un jeu quand même d'initiative, un jeu de calme. Sur calme ? Oui, c'est sur calme. J'ai fait 2 avantages. Donc aucun succès. Ah, oui.
Toi, alors, on résume. Tu fais quoi? Moi, j'essaie de remonter le truc anti... L'hyper-drive, on dit. Ok, toi, t'es à HS. Toi, moi, je me mets un des deux postes. Ouais. Des postes de tir. Ouais. Je prends le pareil. En haut ou en bas. C'est jamais, hein. C'est un coup de chance. Un coup de chance. On m'a entendu. Ça va marcher. De toute façon, c'est sur agilité. Donc il y a 4 tailles qui sont derrière vous. Ils viennent de décoller effectivement de Moschuta ou tu sais pas d'où, mais en tout cas, ils sont à ton cul. Allez, allez. Montre-nous ça, mon cul. Il est là. Il n'y a plus de parents. On est en train de partir. Calme, c'est sur quoi? Calme, c'est sur présence. Présence. Ah, la présence. Ok. Il y a un souci, ils sont plus rapides que toi. Ils se rapprochent. Bah, ils se rapprochent pas, surtout qu'en fait, ils ouvrent le feu. Là. Ah, oui, on va avoir un blaster des tailles qui sont à ton cul et qui ouvrent le feu. On a mis les boucliers. Oui, t'as des boucliers. Alors, je vais te donner d'ailleurs, en fait, les caractéristiques. Donc, gabarit 4, mais ça s'en fout, il a une vitesse maximum de 4. Acheteur taille, il a une vitesse maximum de 5. Ça va plus vite. Maniabilité moins 1. Ah, parfait, maniable. Chauffeur taille, il y a plus 3. Ah ouais, quand même. Défense 1. Ouais. D'accord. Blindage 3. De quoi? Blindage 3. Ouais, mais c'est pas bon. Mais... Si. Ah, bah toi aussi. Les tailles, ils ont blindage 2, défense 1. Ouais. Dégâts de coque 22. Ah oui, c'est mon point de vie. Stress mécanique 14. La taille d'un vaisseau, 1 c'est un taille, un monoplace, 10 c'est l'étoile noire. D'accord? Ok. On est 4. Vous êtes 4. Enfin, c'est pas tout à fait juste en fait. Bah, bon, bref, peu importe, ils ouvrent le feu! Moi, j'ai envie des mauvais sœurs. J'ai problème avec cette putain de tablette. Allez, recherche. Voilà. Ok. Il vous tire dessus. Ok. Tu me donnes un point noir. J'avais dit qu'il y avait des trucs intéressants. Hop. Il t'en reste deux. Ok, j'ai deux succès. Alors, il me reste deux succès et deux avantages. Combien de points de dégâts ces trucs? 27. Je cherche, hein, les gars, je suis désolé, mais... C'est pour une pulvérise. Ah bah, tu prends 8 points de dégâts. La défense, donc, ça fait que 7, alors. Bah, non. Non, la défense, c'est qu'ils ont un dé noir. Et t'as un blindage. Ouais. Donc t'as un blindage de 3, donc ouais, 7, ça fait, ça fait 4. 4 de dégâts. 4 de dégâts sur 22. Donc ouais, le coup, ça. En tout cas, vient de toucher le... Le carbone qui... Alors, c'est pas tout à fait pareil, parce que ça, il n'y a que le premier hein, qui vient de tirer, il y a les trois autres qui vont tirer. Oui, quand même. Ah, bah oui. Et il me reste un truc. Leurs armes sont jumelées. Il y a deux canons laser.
te prends le même point, exactement le même nombre de points de dégâts. Et il va falloir les éliminer vite fait. C'est pas gagné. Ah. Toi, t'es en train de tourner, tu tournes ? Bah oui, et toi aussi. Et c'est là qu'on repense à ce que je vous avais dit. Il me reste combien de dés noirs ? Il faut être très varié en termes de... Il me reste combien de dés noirs ? De compétences. Deux. J'en prends un. Le deuxième s'approche aussi et t'allume le talus. Oui, j'ai pas fait quand même les points de... Vous n'oubliez pas, tu peux m'affliger des... Oh, mais c'est à notre tour. Non. Prends un dé rouge. Voilà, il faut le faire maintenant si vous voulez. Oui, d'accord, oui. Ok, Quand t'as pas l'initiative, t'aurais quand même fait 4 tirs chaque fois. Wow. Ça fait 8, ça fait 8. Oui, 8 tirs, quoi. S'il faut 4, 32, si c'est 4 points de vie chaque fois, boum. 32, on a un monde où on est plus d'un. Et n'oublie pas, vous avez des boucliers là-dessus. Bah oui. Quoi, bah oui. Bah oui, on a des boucliers, mais je sais pas comment ça fonctionne. Moi, bon, c'est simplifié, non, c'est mon blindage et votre défense. Le blindage. Un seul dégât, un seul. Ah, défense 1. Oui. Un seul. La défense, non, la défense, c'est le dé noir qui rajoute. 7 points de dégâts pour le deuxième tir. Oh. Deux fois. Non, parce qu'il n'avait pas d'avantage, il ne peut pas tirer le deuxième. Là. Il y a un seul coup de blaster qui passe. Le troisième ouvre le feu aussi. 3, 4. Il a 11. Ouais. Voilà. Bon. Finir. Dans l'atmosphère, plus d'accès dans l'atmosphère. 8 points de dégâts sur le troisième. Et le quatrième. Rajoute un dé rouge. Je rajoute un dé rouge ? Ouais. Sept points de dégâts sur le dernier. Ok, tous les tirs des chasseurs taille viennent de... Ça se coud comme... quelque chose d'impossible là-dedans. À vous de jouer. Allez, au tir. Alors, le pilote... Alors, oui. Vous pouvez faire contrôle de dégâts, vous pouvez essayer de prendre l'avantage chez le pilote, vous pouvez accélérer, décélérer, faire une manœuvre d'évasion, etc. C'est pas comme... Ouais, de ça. Si je fais une évasion, ça me donne un plus 1 difficulté aux attaques visant l'appareil. Ça permet d'améliorer un dé de difficulté. Ouais, c'est ça. Jusqu'à la fin du prochain tour. Et plus 1 en difficulté aux attaques de l'appareil. Donc tu fais une manœuvre d'évasion déjà. Ouais. Non, il doit avoir un dé noir en plus, c'est tout. On est d'accord. Améliorer un dé de difficulté. Donc non, ils vont passer du dé violet à un dé rouge. Ouais. Par contre, vous avez plus de mal à viser parce que lui bouge dans tous les sens. Bon, tu fais une manœuvre d'évasion ? Oui, d'abord. Ok, donc ils auront un dé noir. Non, t'as pas besoin de faire de jet de dé, c'est une manœuvre. D'accord. Ok, donc tu commences à partir dans... dans tous les sens, par contre, action. Après, t'as. Alors, action, il y a contrôle des dégâts, c'est fait le mécano, etc. Mais toi, t'es en train de monter le bordel. Prendre l'avantage, ça, c'est une action de pilote. Oui, c'est ça. Test de pilotage, difficulté selon vitesse. On va dire que t'es monté à ta vitesse fractionnant au début 4, on va simplifier. Tu dois faire un test de pilotage. Par contre, eux, ils sont à 5. À 5, donc, en fait. Ce sera une action difficile. 3 de difficulté. En cas de réussite, le pilote ignore tous les malus imposés par une manœuvre d'évasion.
Donc si tu réussis, ils n'auront pas le malus pour tirer. D'accord. Ah, vas-y. 3 dés de difficulté. Allez, fais-nous sauter notre dé noir. Je vais peut-être prendre un dé pour changer un dé jaune. Bah, je sais pas, allez-y. Ok, c'est bon. Allez, je vais les préparer. Allez, vas-y, c'est bon. Pas trop. Alors, en fait, j'ai 3 avantages. Tiens, votre vaisseau. 3 avantages. Bah, 3 avantages, tu rates. Tu rates, quoi. Donc, on a notre malus. Donc, truc de pilotage. Donc vous avez votre malus, en fait, okay. Il n'a pas réussi à prendre l'avantage sur les tailles, ils sont toujours derrière. On réussit, en fait, effectivement, monter, descendre, mais à rester derrière toi. On n'aura pas le temps de se balader. Les impériaux sont bien entraînés. Je sais. C'est pas, pas les... C'est pas un tas de ferraille, si tu veux, ouais. Pour piloter. Toi, t'as... en gabarit, t'es combien? Oh, je suis pas gros en gabarit. Et t'as vu que si on tire... Le gabarit de l'attaquant est supérieur de 2 à celui de la 6. Pas de 2, je pense pas. C'est une action difficile. Enfin, quoi que j'en sais. Bah, si c'est 1, t'as dit gabarit taille. 1, 4, c'est bon. N4. Et donc, le gabarit du taille est de 3. Le gabarit du cargo est de 4. Ah, d'accord. Donc c'est de 1, donc c'est une difficulté moyenne pour tirer. Le plus petit qu'un taille. Avant de commencer. C'est, non, de qui taille, c'est... Nous, pour tirer, on a une difficulté moyenne. Ouais. Et toi, tu rajoutes. Éventuellement des trucs en plus. Rajouter un dé noir, c'est ça. Oui. Ok. Donc vous avez une difficulté moyenne. Par contre, vous avez un dé noir parce qu'en fait, il secoue le vaisseau dans tous les sens. Ouais, ouais. Et donc j'aurai un deuxième dé noir à cause de sa manœuvre d'évasion. D'accord. Donc on a un deuxième dé noir. Non. Ah, moi. Okay. Moi, j'aurai deux dés noirs. Ouais. Un pour la manœuvre d'évasion. Ouais. Et un pour le gabarit, c'est ça que tu m'as dit. Pour le gabarit, c'est l'attaquant et la cible sont de même gabarit ou leur gabarit ne diffère que de 1. Oui, bah, j'ai que deux difficultés. Deux difficultés. Bon, ça ne change rien. Oui. Ouais, donc j'ai qu'un seul dé noir. J'ai un dé noir parce que c'est un manœuvre d'évasion, mais vous avez un dé noir parce qu'il vous secoue en tous les voilà, sens. Voilà, c'est ça. C'est toi, ça. Pendant ce temps-là, tu essaies de monter l'IHM. On va commencer par toi. Ok. Donc tu vas me faire un jet de test de mécanique moyen. Ok. Tac, tac. Difficulté. Moyen. Un seul. Ça, non, moyen, c'est... Alors, ça fait deux... Ça fait une réussite et deux avantages. Alors, je m'en fous des avantages. Par contre, tu vas le noter. T'as 6 rounds pour le monter. Okay. D'accord. On n'en a jamais 6 rounds. Chaque succès en plus du premier. Ouais. Donc, t'as fait combien de succès? Un succès. Donc, prochain round, ce sera 5. Si t'avais un succès de plus, ça diminue de 1 le nombre de rounds. Ok. Bah, les gars, il faut abattre les chasseurs. Hein. Ah ouais, c'est la première. Lui, il répare. Vous tirez? Et vous pouvez y aller, hein? Hein? On tire? Non, mais on n'est pas des pilotes, hein? J'en ai rien à foutre. Ah. Allez, on tire. Alors. Tu vois là, ça, c'est le chasseur qui arrive derrière. 3. 4. 2 réussites, 2 avantages. 2 réussites, 2 avantages. Tu sais que tu peux lui donner des trucs avec des avantages. Tu peux lui donner À qui? À lui, non. À qui? Tu peux lui donner des trucs. Un avantage, tu peux. Des... Alors tu peux viser. Ah. C'est une manœuvre. Ça vous rajoute un dé bleu quand tu vises. Ah ouais? Bah, rajoute un dé bleu. Je rajoute un dé bleu. Un dé bleu? Là, ça. Quand t'as fait que. En plus que t'as ça? En plus de tout ça, ouais. Ouais. Moi, j'essaye de viser le. En grand. Elle? Non, rien, ouais, ça fait rien. T'as des avantages ou des trucs? Bon, bon ça, je veux ça. Savoir, là, maintenant, tu fais quoi, là? Bah, là, j'ai 2 réussites et 2 avantages, c'est tout. Les canons laser, en fait, ventraux et dorsaux, font 6 de dégâts. D'accord. Alors, ça fait quoi? Bah, 6 plus 2, 8. Hein? 8 au total. 8 Et comme tu as 2 avantages, toi tu peux avoir un dé bleu ou. Non, mais je veux le nombre de dégâts, je m'en fous du reste, ne me mélangez pas les trucs, t'as combien de dégâts? 8 de dégâts.
8 de dégâts, ils ont 2 de blindage. Il reste 6 points de dégâts, tu en as un qui vient de se transformer en boule de feu. Vous enlevez un taille qui vient d'être détruit. Le deuxième artilleur. 4 points de dégâts. C'est quoi le critique? C'est quoi le critique? 8 de nain des bleus. Il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de critique. Donc 4 points et 2 avantages. Il n'y a pas de... On s'en fout des avantages, c'est ça que tu m'as dit. Bah t'as des critiques... Non, il n'y a pas de critique en fait sur le cargo. Non, non, sur le cargo, il n'y a pas de critique. Donc 4 plus 6, 10. 10 de dégâts? Ouais. Il y a un deuxième taille qui vient d'exploser. Ouais! Je sens la force en moi! Wow. Il me laisse un point de vie, les gars. Attends, c'est... Ah ouais, c'est bon! Nouveau round! Bon, bah c'est de nouveau le tir en premier. Oui. Alors attends, on va laisser le mécano. Et bon ça. Donc là, je fais 3 réussites et 3 avantages. C'est bien, ça avance, ça avance. Donc les avantages, on s'en fout. Donc il te restait 5 rounds. 3 réussites, donc c'est 2 de plus que le premier. Donc il reste encore 3 rounds. Les deux chasseurs de taille, toi tu fais quoi? Alors moi je fais plein gaz. T'es au maximum. Ah non, parce que plein gaz ça te donne plus 1 à ton maximum. Ouais, mais ils sont plus 1 que toi. Je suis à 5. Tu ne peux pas risquer les tailles. Ouais, je peux pas risquer. Je continue toujours. 3. Attention, je peux pas. Je peux faire toujours que évasion. Bah, tu peux faire évasion, tu peux faire. Prendre l'avantage. Dans manœuvre, tu peux faire évasion. Après, c'est prendre l'avantage. Après, tu peux. Ouais, prendre l'avantage, c'est ça. Oui, c'est très abstrait. Oui, hein, tu peux essayer de prendre l'avantage. Oui, je peux prendre l'avantage. Donc, c'est un test de pilotage, difficulté selon les vitesses relatives. Donc, comme tu as quand même mis les gaz. Ouais. Bah non, ça ne sert à rien. Si tu mets les gaz, tu as plus 1, donc ils vont avoir. De toute façon, ça sera 5, donc on sera pareil. Ah oui, j'aurais fait 3, vous avez de la chance, hein, j'aurais fait 3 difficiles hein, tout à l'heure. C'était 1 parce qu'ils étaient plus rapides que vous. Mais là, ils viennent mettre les gaz. Donc là, ce tour-ci, tu es à plus 1. Mais par contre, tu prends des points de stress mécanique. Oui. Il est en train de forcer sur les moteurs. De tirer sur la machine. Par contre, les tailles attaquent. Pas un, j'aime bien penser que synchronisé comme ça. Il me reste des points noirs. Oui, oui. Combien? 4. 4, alors je vais déjà en prendre un. Et je vais vous fumer la gueule, bande de pourriture. Ah bah tu risques, hein, tu peux. Hein, mais c'est ce que j'ai l'intention de faire. Voilà, Ah bah justement, on prend un rouge, tiens. Ok. Ah tu leur... Non mais bon, non, mais on dit... sans concertation. Ok. C'est toi qui pilotes. Alors le rouge donne 0. Et j'ai 3 succès. Vous prenez dans la poire, et vous avez de la chance parce que sur le premier taille, vous n'avez qu'un seul tir de laser qui vous touche. Vous prenez 9 points de dégâts. 9 moins 4, 5. J'ai encore du noir. Ouais. Bah, on est à 0. 0, vous prenez la critique. Vas-y, au point de vie là. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, si, c'est possible. Bah, tu as atteint 22. Eh bah oui, vous avez pris 3, 4 tirs au premier tir. Si, si, c'est possible. Ça fait 15, 18. Vous en avez pris plein la gueule au premier round. Lance-moi un descend. Tu verras pas la fin. Oh, on va s'exploser, on va s'exploser. 13, pour l'instant, ça va. Y a une explosion à côté. Alors, tu notes sur le vaisseau un coup critique. Sévérité, facile. Ça, tu me le notes, c'est important. Bousculer. Vous prenez tous à l'intérieur un point de stress. Toi, tu pourras pas faire ton jet. L'explosion est autour du vaisseau. Ça vient de secouer dans tous les sens. Le deuxième taille tire. Petit Dieu. Il me reste du noir. Non. Si, ça reste 3. 3. Et puis ça, on leur met un rouge. Mettez un rouge ? Ouais. Moi aussi, il faut. Oui, il faut. Et vous prenez que 7 points de dégâts.
de toute façon, c'est un critique de plus, parce que vous êtes à zéro. Tu me lances un critique à plus 10, il faut faire plus petit, là, maintenant. 49. Ok, toujours difficulté facile. Culbuté, les attaques du vaisseau ou du véhicule subissent 2 dés d'infortune. Et vous êtes immobilisé jusqu'à la fin du prochain round du tour de pilote. Excuse-moi, tu peux me redire. Bah, en fait, les autres, vous êtes immobilisés, vous pouvez tirer avec 2 dés d'infortune. À vous, vous ouvrez le feu, là, vous êtes secoué en tous les sens. À l'intérieur, tu commences à toi avoir effectivement des fumées, des trucs électriques qui lâchent un peu dans tous les sens. Bon. Toi, tu vois rien, tu seras pulvérisé. Il reste que 2 tailles. Allez, deux tailles, mais on n'a pas de dés. Je mets un point pour en passer en jaune. Ah si, vous avez des dés. Et je tire. Allez, feu. Allez, bordel. Quoi? Oh, c'est pour... Oui, mais c'est quoi ces jets, putain? Bah, une réussite, quand même. Ah bah, tu le touches? Oui, je l'ai touché. 7 points de dégâts. Ah oui, ça fait 7. Ouais. 7 points de dégâts, ça suffit pas. Il lui reste... Il peut en faire 8, des points de dégâts. Pour un avantage, donc, ça ne donne rien. Non. Bah, l'avantage, si. Si, tu peux la donner un dé... T'as un avantage, tu peux lui donner un dé de... Un dé bleu. Un des bleus en plus. Oui. 1, 2, 3. 3 réussites. Et. Ça fait 9. Et. 3 désavantages. 3 menaces. Bon, je veux savoir alors. 3 menaces. 3 de dégâts. Il y en a un qui dégage. 3 de dégâts, il reste plus qu'un détail. Par contre, 3 menaces. Il commence à avoir un incendie qui se déclare à bord du vaisseau. Toi, t'es HS, hein, ce qu'on essaie. Hein. Ok. Bah, tu peux toujours piloter. Bah oui. Bah, c'est ce que je fais. Nouveau round. Donc moi, je lâche peu. C'est pas réussi. Ouais, mais on le fera après. Vous donnerez... Oui, vas-y, de toute façon, ça sera applicable à la fin de round. Bon, moi, ça me fait 2 réussites. Et bon, c'est ce qu'il fallait. Il te restait 3 rounds. 2 rounds. Ok, donc tu l'as branché. Donc tu peux hurler au pilote. Voilà. Vas-y, tu fais quoi? Bah, je hurle. Je sais pas que t'es branché. C'est bon! C'est bon, quoi? Bah, c'est bon, il a compris. Hein, Passons à l'astrogation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En hyperespace. D'accord, ce sera la fin du round quand même. Donc tu peux rien faire d'autre à part te concentrer sur le truc. Prendre la grosse manette, toi qui... le dernier taille ouvre le feu. Et moi j'essaie de faire l'incendie maintenant. Hein? Attends, non, t'as fait ton action ce round-ci. Oui, on verra ça après. Le dernier taille ouvre le feu. Il me reste des points noirs. Ouais. Donc j'en prends un. Et on lui reste des points blancs. Deux. Bah, je vous conseille de m'en donner un. Deux. On peut faire ça deux? Non, on en a une cure. Ok. Ah. Si je me trompe pas, on en a une cure. Attends, okay. C'est quoi? Oh, il ouvre le feu! Pas les doigts. Là, cette fois-ci, il tire. Effectivement, plus à côté de la carlingue du cargo, tu passes en hyperespace, tout d'un coup. Le vaisseau vient de passer en hyperespace. Bon, éteins-moi cette merde. Le vaisseau vient de passer en hyperespace. Et on va où? Tu sais pas? Tu ne programmes rien? Pas de raison, j'ai mis la première astrogation. Pour aller quelque part, il faut astrogation. Quelqu'un a astrogation? Si, moi, j'ai dit, moi aussi. Ouais. Non, mais je vous le dis. Astrogation. Bah oui. Sinon, et tout d'un coup, au bout de quelques minutes, le vaisseau ralentit et t'entends une alarme. Incendie. C'est quoi, je regarde tous les trucs. Eh bien, nous verrons ça à la prochaine partie. Ouais. Bon, on va essayer quand même de bricoler tout ça, quoi. Hein. De le réparer lui. Ouais. Oui, tout à l'heure. Nous aussi. T'as pas bien compris. De jeter le T-Rex par là. Dans le lit. Il est mort. Oui. Il est mort. Ah, d'accord. Il y avait quoi comme arme? Ah, j'ai un blaster lourd. Bah, on a fusil. Par contre, il y a cette alarme.
Bah oui, bah justement. Je n'arrête pas, c'est absolument infernal. Bah, je regarde ici. C'est infernal, on verra ça à la prochaine partie. Oh, mais éteins, s'il te plaît. Ah, je deviens fou. Mais c'est éteint. On va aller se cacher derrière le gros planétoïde. Tu vas te faire tuer. Et on va arrêter là.